Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce partage que je fais avec vous aujourd'hui concernant ici l'enlèvement du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, nous a parlé dans la Bible de cet enlèvement qui sera et qui aura lieu. Après les signes préfiguratifs de Matthieu 24 dans la Bible, ceux qui croiront à Christ et qui seront vivants seront enlevés sur la terre. Mais avant, ceux qui seront morts et qui seront décédés et qui auront cru en Christ durant leur vivant seront enlevés à la rencontre du Seigneur en premier. Et ensuite, les vivants sur la terre, ceux qui auront cru à Christ, seront aussi enlevés. Mes amis, qui que vous soyez, j'aimerais vous dire aujourd'hui, le temps est proche. Le royaume des cieux est proche et vous devez vous préparer. Nous sommes dans les signes des commencements des douleurs qui est défini dans Matthieu 24. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des pestes et des famines en divers lieux. Voici ce que nous dit l'Écriture. Je vais vous parler de cet enlèvement. Dans Matthieu 24, nous allons lire le verset 38. Car dans les jours qui précéderont le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et deux femmes qui moudront à la meule, l'un sera prise et l'autre laissé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. J'aimerais vous dire, vous ne savez pas le jour où le Seigneur Christ viendra. Il peut venir à tout instant, mais certains signes doivent venir auparavant. Et ces signes peuvent très vite s'accélérer. Vous ne devez pas ignorer, et vous ne devez pas être dans l'endurcissement en ce qui concerne le Seigneur. Acceptez-le dans votre cœur, par la foi, comme votre Sauveur et comme votre Seigneur. Il est mort à la croix pour ôter vos péchés. Christ a été crucifié pour vous. Acceptez-le et baptisez-vous conformément à la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, appelé Yeshua dans la Bible. En Marc 16, il nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais ceux qui ne croira pas sera condamné. » J'aimerais vous dire, engagez-vous, baptisez-vous, et vraiment par la foi, acceptez Christ. Voici, il est dit que dans les derniers temps, l'enlèvement aura lieu. Tous les croyants sur la terre, ou ceux qui seront aussi décédés, seront enlevés à la rencontre du Seigneur. Ce qui viendra après sur la terre s'appelle la colère de Dieu, les fléaux de l'Apocalypse.